Et sa région-là, c'est une région qui dirait qu'il n'y a pas le droit de construire quelque chose sur ce terrain-là. Alors, bien sûr, le propriétaire, je ne pressais pas le métro et léger pour traverser par là. Mais nous, ce qui nous contestait tout le rapport environnemental parce que je n'ai pas respecté IPI 2002 et je n'ai pas respecté IAE la SN. Et c'est pour ça que nous pouvons trouver un problème qui nous peut trouver là. Nous pouvons trouver un problème qui peut surgir dans l'avenir. Et en plus, les habitants peuvent commencer à tracasser. Je t'habite dans une région qui nous capable d'appeler une région désastreuse. Alors, c'est pour cela que nous, depuis le commencement, nous pouvons contester ce projet Métro Express. Et ce bâtiment-là, nous ne connaissons pas même. Nous restons, nous connaissons un bâtiment à côté. Mais nous devons connaître que ce bâtiment qui peut monter là, à côté là. Parce que là, il y a une métro pour passer. Il peut faire tout du monde aller. Mais ce bâtiment là qui était là. Ça, nous devons connaître. Ça, nous devons dire qu'il y a ce bâtiment là. Nous habitants, nous restons ici. Même nous, un bâtiment qui peut monter. Nous devons connaître qui fait. Qui peut monter un bâtiment à côté. Un métro express, tout ça, nous devons raser. Nous devons casser. Nous devons casser. Aujourd'hui, nous trouvons la vérité. C'est quoi vraiment terrain habite? Terrain habite, il y a un terrain qui est fragilisé. Les Japonais ont fait un rapport de terrain, nous tout connaissons ici dans l'habite. Qui problème là, glissement de terrain, etc. Donc l'étude géotechnique, comme on nous fait mentionner, bien faire. Nous bien qu'on a la vérité, nous pas capable. Aujourd'hui, avec une simple construction, il y a des problèmes qui sont là. Demain, quand nous avons un pilotier, etc., ici, qui est capable d'arriver dans l'habite? Sur la case qui a grainé, nous avons sur la montagne encore grainé. Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous veut dire bien faire l'étude appropriée pour. Capable de connaître est-ce que ce terrain-là est approprié ou pas pour passer un métro express, est-ce que ce terrain-là y a un danger ou pas. Dans le passé, il y a un danger. Dans le passé, nous délogeons les habitants de la ville de Navaille à Paille. Aujourd'hui, nous retrouvons encore la même situation, donc le jour en jour, il pourra graver. Donc, maintenant, c'est un appel au gouvernement, un appel à la municipalité de Port-Louis.